Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car je vais pas partir en exploration, je vais pas parler de drames historiques. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo test car récemment j'ai fait acquisition d'un petit piège photo de la marque Victure. J'en ai eu pour une 60aine d'euros à peu près et je pense qu'il sera utile pour faire les observations animales sur plusieurs jours voire peut-être plusieurs semaines pour les prochaines vidéos. Alors cette vidéo elle est un petit peu incertaine, là aujourd'hui on va le placer quelque part dans la forêt un peu stratégique là où il y aura des passages d'animaux. Mais il est possible que pendant les quelques jours où je vais le poser, je pense que je vais le poser pendant 2-3 jours dans la forêt, qu'on ait strictement rien, que cette vidéo ne sorte jamais. La nuit commence bien à s'installer, le piège est posé. Bon, j'ai quand même ma petite crainte qu'il disparaisse au bout de 2-3 jours dans la forêt. Bon, j'ai quand même mis un bon cadenas pour le côté sécurité, mais bon, on sait jamais. Et puis là, je vais vous laisser avec les quelques plans qu'on aura réussi peut-être à avoir durant ces 2-3 jours de test. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pensais pas avoir autant de résultats avec le piège photo pour une première session de test sur le terrain, mais je suis plutôt content. Sur une semaine de test, on a pu voir quand même pas mal de petites choses, notamment une petite surprise que je m'attendais pas du tout à voir avec mon piège photo, que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Dans l'ensemble, je suis plutôt content, la qualité de vidéo est pas trop mal avec cette caméra, il résiste bien aux éléments, au froid, à la pluie, tout ça. Le seul bémol que je peux lui donner, c'est qu'il prend les vidéos un petit peu trop tard. La vidéo se déclenche que lorsqu'il y a un mouvement au milieu de la caméra, donc du coup, lorsqu'une espèce passe assez vite devant, on peut juste l'apercevoir à la fin de la vidéo, mais après, on peut rien avoir du tout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime, et si tu veux voir d'autres contenus comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner.